Il est 16h, ce 30 juin après-midi. Il fait un temps splendide. Il y a quelques heures seulement que le Congo est devenu un État indépendant. Nous nous trouvons au boulevard Reykmans, dans cette grande artère qui part du Palais de la Nation. Et les ovations qui retentissent et où l'on voit quantité de mains noires et blanches s'adressent au roi. Si rutilante la musique de la force publique. Peau de léopard, tambour bleu et jaune, gants blancs, shako brun. Maintenant, passe vraiment en bon ordre encore avec des souliers blancs, bruns ou noirs, mais enfin, la poitrine bardée de décorations, les anciens combattants qui ont recueilli eux aussi leur part d'applaudissements. Et tout au loin maintenant, contrastant blanc et noir, les jeunes gymnastes, la jeunesse du jeune État. Peut-être n'ont-ils pas la démarche aussi cadencée que les soldats de la force publique, mais tout de même, il y a beaucoup de grâce, d'élégance et de rythme dans leur démarche. Ils tiennent en main des petits fanions bleus, frappés de l'étoile jaune et des 6 étoiles jaunes, qui sont pour le moment le drapeau du nouvel État. Et voici les scouts à tambour.